Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, effectivement, je vais vous parler de Bételgeuse. Juste un petit test. Je sais qu'on déteste ça quand on est dans le public, mais je vais quand même le faire. Tant pis pour vous. Qui dans la salle saurait identifier la position de Bételgeuse sur cette photo? Levez la main. Bien haut, parce que d'ici, on ne voit pas bien. D'accord. Quelques-uns quand même. Donc, pour les autres, c'est celle-là. C'est une super géante rouge. Donc, c'est celle qui ressort le plus ici. Donc ici, vous avez la constellation d'Orion. Pas telle que vous pouvez la voir dans le ciel, parce que moi, déjà, il y a toutes les parties nébuleuses qui ne ressortent pas aussi bien. Là, il y a quand même du traitement d'image. Et puis surtout, elle est couchée. C'est-à-dire que normalement, le bas, le sud est par là, et le nord, le haut est de ce côté. Donc, il faut tourner la tête. Ça marche bien si on la voit depuis l'équateur. Ça ressemble à ça. Alors, voilà dans le bon sens ce que ça donne. La constellation d'Orion, telle que vous pouvez la voir à Dijon. Alors actuellement, il faut se lever un peu tôt. Hein. Il faudrait plutôt être vers 2-3 heures du matin pour arriver à la voir. Mais si vous attendez quelques semaines, quelques mois, on pourra la voir en début de nuit. Ce sera toujours magnifique. Donc, comment la trouver? Vous avez la ceinture d'Orion ici, les trois étoiles qu'on reconnaît très facilement, qui la rendent très visible. Vous avez la géante bleue Rigel qui est en bas à droite et Bételgeuse qui est ici en haut à gauche. Et on voit clairement sa couleur à l'œil nu. Alors, je vais vous parler de la perte d'éclat de cette étoile qui a eu lieu en 2019-2020. Et en fait, cette image peut aider à comprendre ce qui s'est passé. En fait, quand on regarde la constellation d'Orion, c'est assez équilibré. Donc on a les trois étoiles de la ceinture au centre, Bételgeuse et Rigel qui se répondent, qui ont à peu près le même éclat, et Bellatrix, c'est celle-ci dont j'oublie toujours le nom, qui ont aussi qui se ressemblent au niveau luminosité. Tu connais le nom de cette étoile ou pas? Saïf, voilà. À chaque fois, j'oublie. Et donc, ce qui s'est passé en 2019-2020, c'est que Bételgeuse, ici, est devenue aussi peu lumineuse que Bellatrix. Donc, il faut vraiment imaginer l'éclat qui devient orangé, mais comme ça. Donc ça a causé beaucoup d'émoi parmi la communauté astronomique et aussi parmi les astronomateurs et le grand public, surtout outre-Atlantique, parce que c'était vraiment visuel. Dès qu'on regardait le ciel, c'était choquant. Et alors, bien sûr, les Américains se sont dit « Ah là là, elle va exploser », etc. Donc on va en parler dans la présentation. Mais avant, on va essayer un peu de voir qui est cette étoile dont on va parler pendant trois quarts d'heure ensemble. Donc, pour mieux connaître une étoile, l'idéal, c'est de la comparer à l'étoile qu'on connaît le mieux, qui est notre Soleil. Donc, ici, vous avez les caractéristiques de Bételgeuse et les mêmes pour le Soleil. Donc, le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Mais comme je n'ai pas envie de vous donner la distance de Bételgeuse en kilomètres, parce que ça ne servirait absolument à rien, j'ai mis ça en temps-lumière. Donc, le Soleil, il est à 8 minutes-lumière. On le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Bételgeuse, elle est à 724 années-lumière, donc on la voit telle qu'elle était il y a 724 ans. Alors tout de suite on se dit, oh, c'est loin, c'est immense, elle est peut-être morte depuis. La réponse est non. Hein. D'ailleurs, quasiment aucune des étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu n'a pu mourir depuis que sa lumière nous est parvenue. Alors, 724 années-lumière, c'est très proche, parce qu'il faut garder à l'esprit des ordres de grandeur. Là. Le diamètre de la Voie lactée, c'est 100 000, 200 000 années-lumière. On est à peu près à 30 000 années-lumière du centre galactique. Donc tout ça, c'est vrai que ça commence à être loin, hein, mais voilà, 724, c'est une voisine, hein, quasiment. Alors, niveau rayon, là, ça commence à devenir rigolo. Bon, le rayon solaire, c'est un rayon solaire. Voilà, c'est la définition. C'est aussi 110 fois le rayon de notre planète, la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez l'équateur du Soleil, vous pouvez aligner 110 fois la planète Terre dessus. Quand même, le Soleil, c'est gros. Bételgeuse, vous prenez son équateur, vous pouvez mettre 900 fois le Soleil sur son équateur. Et sur chaque Soleil, vous pouvez mettre 110 fois la Terre. Donc il faut imaginer que c'est quelque chose de vraiment très très gros. Très simple, si on la mettait dans le système solaire, à la place du Soleil, on dit qu'est-ce que ça ferait dans le ciel? Alors on imaginerait un gros machin rouge qui envahirait tout le ciel de la Terre. Pas du tout, on serait dans l'étoile.
Et la limite de l'étoile irait au niveau de l'orbite de Jupiter. Donc ça veut dire que Mercure, Vénus, la Terre, évidemment, serait dedans, Mars aussi, la ceinture d'astéroïdes aussi, et Jupiter serait juste au bord de la limite de l'étoile. Donc c'est quand même un gros, gros, gros objet. Et une autre façon de se dire, c'est que bon, là, on va dire que ça fait 1000 hein, au lieu de 900. Si vous dites, ben, Bétageuse, elle est 1000 fois plus grosse que le Soleil. Non. Parce que quand on parle de grosseur, on parle de volume. Et si on parle de volume, il faut passer au cube, là, et ça veut dire que on peut mettre 1 milliard de soleils dans Bételgeuse. Donc le volume de Bételgeuse, c'est 1 milliard de fois celui du Soleil, donc on peut dire qu'elle est 1 milliard de fois plus grosse que le Soleil. Donc zéro, j'insiste. Et pourtant, c'est ça qui est enfin, marrant, je ne sais pas, parce que moi ça me fait sourire, vous probablement pas. Mais donc le Soleil, ben, il fait une masse solaire, hein, c'est 10 puissance 30 kg, donc un suivi de 30 kg. Et Bételgeuse, c'est 15 à 20 fois la masse du Soleil. Donc c'est un volume qui fait 1 milliard de fois le volume du Soleil, mais dans lequel il n'y a que 15 à 20 fois la masse du Soleil. Donc finalement, c'est assez dilué. La densité est faible. Et c'est encore plus grave, c'est-à-dire que l'essentiel de la masse, il est au centre de l'étoile, puisque c'est là qu'il y a les réactions thermonucléaires, c'est là, on va en parler, qu'il y a une étoile à neutrons en formation. Donc c'est là que c'est le plus dense et qu'il y a le plus de matière. Finalement, le gros de l'enveloppe, bah c'est du gaz très dilué. Hein. Je veux dire, si on rentrait dedans, admettons qu'on ne soit pas cramé en y allant, bah en fait, il n'y a pas de surface. Quoi. C'est très dilué quand on va rentrer là-dedans. Et tout ça, ça implique, on va le voir, qu'il y a une physique très différente de ce qu'on peut avoir sur le Soleil. Et l'étoile ne ressemble pas vraiment au Soleil, finalement. Alors, côté température, bon, le Soleil, c'est à peu près 5000 degrés. C'est pour ça qu'il apparaît blanc. Et Bételgeuse, c'est plutôt 3500 degrés. Donc, ça veut dire qu'elle est froide. Alors, je suis d'accord, si on y va, on aura chaud. Mais par rapport au Soleil, c'est froid. Et par rapport aux géantes bleues qui sont à 20000 degrés, c'est vraiment très froid. Et là, un chiffre qui sert strictement à rien, mais que j'ai mis pour frimer. Donc la luminosité du Soleil, donc c'est la quantité, la puissance lumineuse qu'il envoie, donc ben, une luminosité solaire, très bien. Ben, Bételgeuse, elle est plus de 10 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Ça veut dire que c'est quelque chose de très brillant. Et c'est pour ça que ben, même si elle est loin, on la voit quand même assez bien dans notre ciel. Alors, c'est une super géante rouge, ça signifie quel est le produit de l'évolution stellaire. Alors, un petit rappel sur le fait qu'une étoile, ben, ce n'est pas éternel. Ça ne veut pas dire que ça va naître et que ça va mourir, parce qu'après, il y en a qui pensent que c'est vivant, mais non, c'est juste que ça va apparaître et ça va disparaître. Les étoiles, elles naissent dans des nébuleuses, qu'on appelle des nurseries stellaires. Et la vie d'une étoile, ça va être déterminée par sa masse initiale. Si vous avez une étoile qui est peu massive, qui fait moins de 8 fois la masse du Soleil, bah, va être une proto-étoile, là où elle est encore dans sa coque de gaz et de poussière. Puis, elle va devenir bah, une étoile de type solaire, donc c'est ce qu'on appelle une naine jaune. Notre étoile est une naine jaune. Et elle va briller comme ça pendant à peu près 10 milliards d'années pour le Soleil. Et ensuite, elle va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, donc une grosse étoile rouge. Dans le cas du Soleil, ça veut dire que la limite de l'étoile va arriver à l'orbite de la Terre. Donc c'est gros, hein, et froid. Et là, ça va être calme, c'est-à-dire qu'elle va perdre ses couches externes suite à son vent. Ça va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui sont de magnifiques objets à photographier dans le ciel, avec la SAB, par exemple. Donc vous avez l'enveloppe de gaz qui est éjectée par l'étoile et qui est éclairée par le cœur de l'étoile, la naine blanche. Et après quelques milliers d'années, mais il n'y a plus que la naine blanche, et vous avez une partie de la matière, là, qui repart dans le milieu interstellaire et qui sont les fameuses poussières d'étoiles dont nous sommes constitués, hein, ce que disait Hubert Reeves, et ben donc qui va former de nouvelles étoiles et peut-être des planètes. Donc ça, c'est pour les étoiles sous les 8 masses solaires, et au-delà de 8 masses solaires, c'est presque pareil, sauf que ben, ça va devenir des géantes bleues qui vont être plus lumineuses et plus chaudes, hein, 20 000 degrés à la surface. Elles vont vivre moins longtemps, hein, ça va être quelques millions d'années.
Puis elles vont devenir des super géantes rouges, donc comme Bételgeuse, hein, je vous ai expliqué. Là aussi, ça perd de la matière, etc. Et par contre, alors à la fin, là, ça explose en supernova. Ça, c'est chouette, enfin, chouette. Elle va devenir aussi lumineuse que toute une galaxie quand elle va exploser en tant que supernova. Et donc ça, c'est, si ça arrive sur Terre, on verra à la fin, c'est quand même chouette. On pourrait, si ça arrivait dans notre galaxie, on pourrait avoir une étoile aussi brillante que la pleine Lune. Donc ça serait quand même vraiment sympa. Et après la supernova, le cœur va soit former une étoile à neutrons, soit un trou noir. Je ne dirai rien de plus sur les trous noirs ce soir, hein, donc s'il vous plaît, ne m'embêtez pas avec des questions là-dessus. Et quand ça explose, il y a aussi une partie de la matière qui revient vers le milieu interstellaire. Donc voilà pour la vie des étoiles. Et donc là, je vous ai un peu dit, le Soleil vit 10 milliards d'années, une géante bleue, ça va vivre quelques millions d'années. Donc ça, vous vous dites, oui, c'est bien, c'est long, quoi. Mais long comment? En fait, au-delà du millier, notre cerveau, les nombres, il n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que quand on a les fraudes aux prestations sociales qui sont à quelques millions d'euros et par contre les fraudes fiscales qui sont à des milliards d'euros, on dit oui, c'est pareil. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On va voir qu'il y a de très grandes différences. Alors oui, avant ça, voilà une vue d'artiste de Bételgeuse. Donc voilà, une super géante rouge. Et vous avez le système solaire à l'échelle. Et donc vous voyez bien, ici vous avez le Soleil, les quatre petits grains de poussière telluriques, là, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter qui est là, donc je ne vous ai pas menti, hein, on voit bien que la limite de la surface, la photosphère de l'étoile, c'est l'orbite de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et on a cette espèce de vent stellaire, là, la perte de masse de l'étoile, donc on voit que l'étoile, elle perd du gaz et des poussières, les fameuses poussières d'étoiles. Et le problème, c'est mon sujet d'étude, c'est que on voit ce vent qui part de l'étoile, on voit qu'il y a une étoile, mais on ne comprend pas comment la matière elle part. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de comprendre au quotidien par différentes observations, modélisations, essayer de trouver un scénario qui explique comment la matière arrive à quitter l'étoile. Normalement, vu ce qu'on sait de la physique, ça ne devrait pas, donc il y a des choses qui nous échappent sans doute. Et bien c'est important parce que toutes ces poussières et ce gaz, c'est ce qui va enrichir la galaxie et l'univers en autre élément que l'hydrogène. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a eu ce phénomène que nous on est là. Je ne vous apprends rien, vous n'êtes pas fait que d'hydrogène et d'hélium. Vous avez de l'oxygène que vous respirez, du carbone dans vos cellules, du calcium dans vos os. Tout ça, ça a été fait dans des machins comme ça. Et forcément, ça a dû en partir. Et donc, on cherche à comprendre comment ça se produit. Alors, une des pistes, ce serait ces cellules de convection, là. Ce que vous voyez, ces espèces de grosses structures à la surface de l'étoile, ça ressemble à un cerveau, hein. C'est de la convection. Alors, qu'est-ce que c'est la convection? Vous le savez tous. Vous avez tous déjà fait cuire des pâtes dans de l'eau. Et donc, vous avez vu les pâtes bouger dans la casserole. Et ça, c'est des mouvements de convection. Si vous voulez faire l'expérience, je conseille toujours des coquillettes pour le faire. Parce qu'avec les spaghettis, ils sont trop grands, ils ne peuvent pas suivre les mouvements de la matière, de l'eau. Les coquillettes, elles sont petites, légères, donc elles arrivent bien à suivre la convection dans la casserole. Donc testez ce soir ou un autre soir, vous verrez, ça marche très bien. Et donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste du transport de la chaleur, c'est-à-dire que la chaleur est créée au fond de la casserole ou au bas de l'étoile, hein, au cœur de l'étoile, elle monte et ça entraîne la matière qui arrive à la surface, qui se refroidit. Ici, alors c'est au contact du milieu interplanétaire, vous, c'est au contact de l'air de votre cuisine, et hop, ça redescend. Donc vous avez de la matière brillante ici, chaude, qui arrive des profondeurs de l'étoile, qui se refroidit, et hop, dans les zones sombres, qui va replonger. Et ça, on arrive très bien à le simuler, en fait. Voilà, ici, c'est une simulation faite par des collègues avec qui je travaille à Nice. Et donc, c'est juste, dans un ordinateur, vous mettez les lois de la physique, une distribution de matière qui correspond à une étoile, et vous laissez évoluer au cours du temps. Là, on va avoir une dizaine d'années qui vont s'écouler. Et voilà, ça, c'est une super géante rouge à peu près comme Bételgeuse. Donc on voit que ce n'est pas du tout comme le Soleil. Le Soleil aussi, il a des cellules de convection, mais il en a des millions qui font la taille de la France. Là, les cellules elles font à peu près la taille de l'orbite de Mars ou de Jupiter. Donc c'est quand même beaucoup plus gros. Oui, je vous rappelle que là, ce qu'on voit, c'est une étoile qui fait la taille de l'orbite de Jupiter. Hein. Donc c'est immense de chez immense. Là, on peut toujours mettre un millier de soleils, hein, sur l'équateur. Et donc, vous avez ces immenses mouvements de matière avec, en blanc, de la matière qui monte des profondeurs, qui se refroidit
et en noir, de la matière qui va redescendre au fond de l'étoile. Donc, ben voilà, ça bouge, mais on n'arrive pas, on ne voit pas de matière qui part, quoi. Donc, il y a sans doute une partie de la physique qui nous échappe. Et avec les collègues de Nice, moi, je fais des observations, eux, ils font ces simulations, voilà, on modélise, etc. Eh bien, on essaie de faire en sorte d'avoir de la physique qui nous permette d'éjecter de la matière. Et ben, ce n'est pas facile. Et donc, j'en reviens à mon évasion fiscale. Ici, je vous ai représenté, pour fixer un peu les ordres de grandeur, la vie du Soleil. Donc ici, un carré, c'est 6 millions d'années. Et ben, vous avez tous les carrés jaunes qui représentent 10 milliards d'années de vie du Soleil en tant que naine jaune. En bas, vous avez quelques lignes rouges qui vous représentent 1 milliard d'années en tant que géante rouge. Je vais vous demander, à votre avis, je vais maintenant représenter la vie de Bételgeuse là-dessus, combien de lignes, combien de carrés, à votre avis, ça va représenter? Évidemment, ceux qui étaient à Paris l'an dernier n'ont pas le droit de répondre. Alors, ouais, quelque chose de petit. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire autre chose? De s'exprimer. Alors, je vais vous montrer. Voilà la vie de Bételgeuse à l'échelle de la vie du Soleil. Donc, en tant que géante bleue, elle fait un carré et demi et un demi-carré en tant que super géante rouge. Et donc là, je l'ai mis au bon endroit. Hein, c'est-à-dire que nous, en fait, on est là, quoi, dans la vie du Soleil. Donc, le Soleil a déjà pas mal vécu, mais il va continuer à vivre, hein, sans doute sans nous, au bout d'un moment. Et donc voilà, la vie de Bételgeuse, c'est ça. Et donc, quand on parle de super géantes rouges, des étoiles qui sont en fin de vie, qui vont bientôt mourir, on se dit toujours de vieilles étoiles. Ben non, en fait, c'est super jeune par rapport au Soleil, même si ça va bientôt mourir. Et la bonne analogie, c'est que ces étoiles très massives, très brillantes, c'est un peu comme des feux d'artifice. Vous allumez la mèche, ça part, puis ça explose tout de suite. Le Soleil, c'est plutôt une bougie. Vous allumez la mèche et puis ça va briller gentiment pendant très longtemps, le temps que la cire se consume. Donc voilà, une autre façon de le voir aussi, c'est que, donc ben voilà, nous on est là, ben les dinosaures, ils sont à peu près par là, quoi. Ils sont 10 carrés avant nous, donc ils atterrissent à peu près par là. Donc ça veut dire que les dinosaures, s'ils ont regardé les étoiles, alors, on ne sait pas, hein, en tout cas, ils n'auront pas laissé des écrits pour nous le dire, s'ils ont regardé les étoiles, ils n'ont pas pu voir Bételgeuse. Et quand je dis ça, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas vu en tant que super géante rouge, hein, ils n'ont même pas vu en tant que géante bleue, en fait, elle n'existait même pas. Et à vrai dire, la majorité des étoiles du ciel visibles à l'œil nu, en tout cas avec nos yeux, encore une fois, les leurs, je ne sais pas où ils ressemblaient, ben, elles étaient, c'est des étoiles qui sont plutôt massives, avec une durée de vie courte. Donc, nul doute que le ciel des dinosaures n'avait absolument rien à voir avec le nôtre. Et clairement, bah, ça j'en suis sûr, aucune des étoiles de la constellation d'Orion que je vous ai montré au début n'existait au temps des dinosaures. Donc, tout ça pour dire que ce ciel qui nous semble immuable, éternel et qui ne change jamais, et c'est vrai à notre échelle, à de rares exceptions près, il ne va pas changer, bah, dans l'histoire du Soleil, en fait, il a déjà énormément changé. Donc voilà, c'était la page histoire. Et donc voilà, donc en fait, il faut vous dire que tout, là, toutes les bleues là et la rouge, elles n'y étaient pas au temps des dinosaures. Alors, Bételgeuse, c'est une étoile qui est célèbre dans la communauté des astronomes amateurs. Et c'est pour ça que quand elle a baissé en éclat, ça a fait toute une histoire, en particulier aux États-Unis. Alors pourquoi? C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Pourquoi cette étoile? Alors, quiconque a observé le ciel l'hiver connaît la réponse. Parce que l'hiver, alors il fait froid, je sais, mais si vous sortez de chez vous en étant couvert, en regardant vers le sud, on ne peut pas la louper, la constellation d'Orion. Je veux dire, les trois là, alignés, ça attire l'œil, et le contraste de couleurs qu'on peut voir à l'œil nu entre Bételgeuse et Rigel, voilà, ça, on a envie de la regarder, cette constellation, elle est belle. Alors je suis peut-être totalement biaisé, mais la plupart des astronomes amateurs avec qui j'ai parlé me disent « non mais t'as raison ». Donc, je pense que j'ai raison. Et il y a une autre raison qui fait qu'elle est célèbre, c'est que, outre-Atlantique, il y a ce film qui est sorti dans les années 80, je crois. Vous aviez ce personnage qui s'appelle Bételgeuse,
et qui était mort et qui revient hanter les gens, enfin bon, peu importe. Et alors, quand on dit trois fois son nom, il apparaît et il vient embêter les gens. Et c'est un film qui a été vraiment très, très, très populaire outre-Atlantique, alors que par contre, enfin, en tout cas, dans le monde anglo-saxon, dans le monde francophone, niette, quoi. Si ? Si, quand même. Bon, bah alors voilà, allez, empruntez-le et regardez-le. Donc, bon, en tout cas, voilà, c'est très célèbre. Et ce qui fait que quand on parle de Bételgeuse à des anglo-saxons, toujours, ah oui, 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 cette étoile, machin. Et si on dit trois fois son nom, elle va exploser ou un truc comme ça. Donc, ils sont vraiment fans de ça. Et donc, effectivement, quand elle est devenue moins lumineuse, tout de suite, on dit, ah, elle va exploser, surtout si on dit son nom, etc. Donc, c'est sans doute pour ça que c'est une étoile assez célèbre. Et donc voilà, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc là, l'introduction est finie. Hein. Et donc Bételgeuse, c'est une étoile variable. C'est-à-dire, c'est pas surprenant qu'elle change d'éclat. Ici, vous avez sa courbe de lumière, on appelle ça, depuis 1980 jusqu'en 2018. Alors ici, en gros, plus c'est haut, plus elle est lumineuse. Plus c'est bas, moins elle est lumineuse. Et là, vous avez le temps qui s'écoule. Alors là, j'ai pris que les points obtenus avec des caméras. C'est là que c'est plus fiable quand même qu'avec l'œil. Donc au début, dans les années 80, il y a peu d'astronomes amateurs avec des caméras CCD. Puis ensuite, on voit que ça se démocratise et qu'il y en a de plus en plus. Et donc on voit que, au cours du temps, elle a ces espèces d'oscillations. Alors il y a une certaine régularité, c'est-à-dire que voilà, là, on voit qu'ils sont tous parallèles, étrés, c'est assez régulier. Puis des fois, hop, c'est plus étroit, puis ensuite ça redescend un peu plus. Donc elle est régulière, mais pas totalement. Donc on dit qu'elle est semi-régulière. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près deux périodes. Il y en a une assez courte qui fait 420 jours, un peu plus d'un an, et une autre par-dessus qui module tout ça, qui est à peu près de 5 ans. Donc ça, c'est connu. Hein. C'est connu depuis le début du XXe siècle. Il n'y a rien de nouveau. Mais judicieusement, là, j'ai arrêté la courbe en 2018. Et ça commence à être intéressant en 2019. Et donc, je vais vous raconter comment s'est passé mon mois de décembre 2019. Alors en vrai, ça a commencé un peu en novembre. On a déjà eu plusieurs emails qui ont été envoyés par des astronomes amateurs, voilà, sur des mailing lists dont, où je suis inscrit, qui disaient tiens, quand même, elle est moins lumineuse que d'habitude, parce qu'évidemment, on suit, on sait où c'est qu'elle doit être à un instant donné, quoi. Et là, en 2019, on disait quand même, elle est moins lumineuse que ce qu'on pourrait espérer, c'est bizarre, peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais bon, c'était juste 2-3 emails, je les ai lus, puis je suis passé à autre chose. Le 7 décembre, par contre, il y a eu ce qu'on appelle un télégramme des astronomes, le 13341, qui est sorti. La baisse de luminosité de la supergéronde rouge proche Bételgeuse. Alors, bon, malheureusement, ce n'est plus des télégrammes. Hein. Moi, j'adorerais en recevoir, mais non, maintenant, c'est juste un site internet et un compte Twitter associé, auquel vous pouvez vous abonner, hein, et qui annonçait ça. Et le 11 décembre, avec des collègues à Nice et à Paris, moi j'étais en Belgique à ce moment-là, j'ai répondu clairement dans un email, hein, voilà, pour l'instant, ça ressemble juste à une conjonction des deux pseudo-périodes. Et ça veut dire, comme j'ai dit, il y a deux périodes, les 420 jours et les 2000 jours, donc 5 ans. Et si on est sur le minimum des deux, ben on peut avoir un minimum plus important que d'habitude. Donc c'est déjà arrivé en 2009, voilà, elle va descendre un peu plus bas, puis ensuite elle remonte. En gros, c'était ma façon de dire aux collègues, écoutez, j'ai d'autres trucs à faire, plus intéressants, j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, attendons voir. Donc on a attendu, puis le 19 décembre, voilà, ça continue à descendre, quoi. Elle était de moins en moins lumineuse. Et puis ça a commencé à en parler un peu dans la presse, avec des gens qui vont dire « Ah, elle va exploser, machin, voilà. » Et donc là, je me souviens, j'ai décidé le matin, « Bon, allez, on va aller l'observer avec le VLT. Enfin, en tout cas, on va faire une demande de temps pour démontrer qu'il ne se passe rien. » Mon but, c'était d'aller faire une image de l'étoile et regarder. Elle est comme d'habitude, ça ne sert à rien d'en parler, passons à autre chose. Donc voilà, là je commence ce jour-là à écrire la demande de temps. Alors comment ça se passe pour utiliser les télescopes au Chili? Normalement, on a deux moments dans l'année où on peut demander du temps, en mars et en septembre. Et alors en mars c'est pour l'hiver et en septembre c'est pour l'été de l'année d'après. Et sauf que là on est en décembre. Donc, fallait-il attendre le mois de mars suivant pour le faire? Non, heureusement, il y a un canal exceptionnel qu'on appelle le temps discrétionnaire du directeur. C'est un héritage historique qui a fait qu'il y a cette dénomination. Mais en gros, on fait une demande comme d'habitude et ça passe par un canal spécial par un comité qui va évaluer pour les demandes exceptionnelles pour les événements qu'on ne peut pas prévoir. Évidemment, ça, on ne pouvait pas le prévoir.
Et alors donc, il y a deux pages de justification scientifique où on dit en quoi ce qu'on fait est intéressant, quelle cible on veut observer et même quels résultats on va obtenir grâce à l'observation. Et ensuite, on a cinq pages de justification technique où on dit quel télescope on veut utiliser, quel instrument, et on doit donner le temps qu'on va utiliser à la minute près. Donc il y a plein d'outils qui nous aident à déterminer de combien de temps on va avoir besoin, parce qu'évidemment, le temps de télescope, c'est très précieux, donc on ne peut pas se permettre de dépasser. Et on ne peut pas improviser les observations. Donc je fais mon dossier. D'habitude, il me faut une semaine à deux semaines pour faire un dossier. Là, trois jours, c'était réglé. Donc maintenant, je me cantonne toujours à faire ça en 3-4 jours maximum, parce que je l'ai fait une fois, là, en 3 jours, et ça a marché. Donc maintenant, hors de question de perdre du temps. Donc là, en fait, je l'ai fait, je l'ai écrit. Hein. J'avais une équipe de 10-15 collègues avec moi, disséminés dans le monde. Je leur ai envoyé au bout d'un jour. Ils ont relu, j'ai fait les corrections. Le 22, hop, j'envoie. Et là, le 22 décembre, donc c'était les vacances. Hein. Je m'en souviens, je suis parti en vacances. Le soir, j'ai regardé mon agenda, je suis allé voir de Star Wars qui sortait cette année-là. Et voilà, donc le sentiment du devoir bien fait, vacances tranquilles. Le 27 décembre, donc après Noël, à minuit 28, je m'en souviens très bien parce que j'allais éteindre mon téléphone avant d'aller me coucher, je reçois un message qui me disait « C'est bon, vous pouvez envoyer les instructions au télescope. » Je me dis « Qu'est-ce que c'est un spam, ça ?» Parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça avec l'Observatoire européen austral. Normalement, vous envoyez la demande, puis vous recevez une réponse comme quoi votre demande a été acceptée, vous devez passer par l'interface web, blablabla, pour faire les commandes qui vont partir au télescope. Là, c'était envoyer directement vos blocs d'observation au télescope. Donc, on court-circuite toute la procédure standard de préparation des observations. Pourquoi ? Évidemment, là, tout le monde est en vacances. En particulier en Allemagne, où ils devraient valider les commandes des télescopes que j'ai faites avant de les envoyer au Chili pour qu'elles soient exécutées. Et comme il fallait observer tout de suite, ils m'ont dit « Envoyez directement au Chili, et la procédure habituelle, vous l'oubliez pour cette fois. » Donc minuit 28, au lieu d'aller me coucher, je me suis relevé, sorti l'ordinateur, et j'ai préparé mes blocs d'observation jusqu'à 1h38 où je les ai envoyés par mail au coordinateur, enfin directement au télescope en fait. Et là, je suis allé me coucher. Et pendant que je dormais, à 6h18 du matin en Belgique, toutes les observations avec Sphere avaient été exécutées, donc avaient été faites la nuit même. Donc je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su en me levant, hein, 9h du matin, c'était les vacances. Je me lève, ah super, c'est fait. Et là, normalement, je me dis, à 14h, j'aurai mes observations. Donc, parce que normalement, là, elles partent, en gros, à la fin de nuit, elles partent en Allemagne, où il y a une validation qui est faite de la qualité des observations. Et quand c'est validé, hop, on reçoit un email vers 14h qui nous dit, c'est bon, vous pouvez télécharger, machin. Rien. Évidemment, tout le monde était toujours en vacances. Donc, il n'y avait personne pour valider les données. Donc, au bout de deux jours, c'est le coordinateur de l'observatoire au Chili qui m'a dit « Non, mais attends, tu ne peux pas attendre. Nous aussi, on a envie de savoir ce qui se passe. Je te les envoie par mon site web et tout. » Voilà. Donc, j'ai dû les télécharger sur son site par FTP. Et voilà. Et puis là, je les ai reçus. Je les ai traités. Et j'ai vu que j'avais tort. Donc, mon but, c'était de prouver qu'il ne se passait rien sur cette étoile. Eh bien, perdu. Et clairement, dès que sur les données brutes, là, quand elle sortait, ah ouais, on voit qu'il se passait quelque chose. Donc, super content. En plus, là, ça fait partie de ces moments où j'étais le seul au monde à savoir qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que j'ai traité les données, j'étais tout seul devant mon ordinateur. Et voilà, le temps que j'envoie les images à mes collègues, il y a eu un moment où j'étais vraiment le seul au monde à savoir ce qui arrivait à cette étoile. Et rien que pour ça, ça vaut en fait toutes les galères qu'on peut avoir dans la recherche, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de contrat, d'avoir des difficultés à trouver un poste permanent. Mais rien que pour ce genre de petits moments suspendus, c'est extraordinaire de se dire que il se passe quelque chose dans le ciel, tout le monde se demande ce que c'est, là j'ai la réponse. Et là, ce qui est assez cocasse, c'est que c'est seulement le 30 décembre à 21h30 que j'ai pu la voir de mes propres yeux. Pourquoi ? Parce que j'étais en Belgique, et apparemment, c'est un peu comme à Dijon, je crois, la météo, hein, si tu disais. Là, il y avait eu quand même plusieurs jours, même peut-être semaines de mauvais temps, donc de nuages, où je n'avais pas pu voir Bétégeuse de mes propres yeux. Et je me souviens, là, j'étais devant chez moi et à 21h30, je me dis « Ah ouais, quand même, elle est beaucoup moins lumineuse que d'habitude. » À l'œil nu, c'était évident, on le voyait. Et contrairement à la majorité des gens, moi, j'avais déjà vu la raison dans les images obtenues par le VLT. Et ensuite, j'ai vu que « Ah oui, elle est moins lumineuse. »
Alors que la plupart des gens, c'était l'inverse. Hein. D'abord, ils disent, ah, elle est moins lumineuse. Pourquoi? Eh bien, on va aller voir ensemble pourquoi. Donc, on revient sur notre courbe de lumière. Je vais te préciser qu'elle avait été prise par l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables, mais il y a des observateurs dans le monde entier, hein, y compris en France. Et qu'est-ce que ça a donné, ce qui s'est passé? Ça a donné ça. Donc voilà, là, elle est devenue beaucoup moins lumineuse. Et si vous remontez là, les 200 ans d'archives qu'on a, elle n'a jamais fait ça. Elle n'est jamais devenue aussi peu lumineuse en 200 ans. Alors bon, 200 ans à l'échelle d'une étoile, c'est pas grand-chose. Hein. Peut-être que bien avant, c'était déjà arrivé, mais en tout cas, on ne l'a pas noté. Donc ben voilà, comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, en plus, c'est remonté très vite. Hein. On aurait pu attendre à ce que ce soit, elle descend et hop, ça fait un plateau. Ça reste bas. Non, non, elle est tout de suite remontée. Là, on va zoomer. Donc voilà, donc là, on a 2015 ici. Donc on voit des petites variations. Hop, là, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Sans ça remonte, et là, paf! Là, il y a vraiment eu le truc très bas. Alors, quand on voit ça, quand on est astrophysicien et même astronome amateur, on se dit, il y a peut-être de la poussière, quoi, ou quelque chose de froid. Mais en fait, essayer de comprendre ce qui se passe sur une étoile, c'est pas évident, surtout celle-là. Donc ici, ce qu'on voit, c'est Bételgeuse et ce qu'il y a autour. C'est fait avec des instruments qui sont sur le VLT au Chili. Ici, c'est un instrument qui s'appelle VISIR. C'est des fausses couleurs parce que c'est de l'infrarouge moyen, donc c'est à 10 microns. C'est des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc si on mettait des vraies couleurs, ce serait tout noir, parce que l'infrarouge, on ne voit pas avec nos yeux. Donc on met des fausses couleurs et on voit ici la poussière. Et alors là, il y a un cercle noir, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, c'est juste parce que ici, c'est saturé, en fait, cette région sur le détecteur. Donc on ne pourrait pas voir, ce serait un gros pâté blanc. Donc on l'enlève. Et à la même échelle, ici, vous avez la taille de l'étoile. Le petit point blanc au centre, ça, c'est vraiment l'étoile en elle-même. Et là, tout ce que vous voyez, c'est le nuage de poussière dont elle est en permanence entourée, les fameuses poussières d'étoiles. Et ça, on l'observe depuis une quinzaine d'années maintenant. On sait qu'il est là, il ne bouge pas trop. C'est la matière qu'elle a éjectée depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années. Et donc, si vous essayez de déterminer s'il y a de la poussière autour de Bételgeuse qui a causé la perte d'éclat, c'est-à-dire qui a caché le petit point au centre, là, si vous essayez juste bêtement de détecter de la poussière avec des méthodes classiques, vous allez en détecter de la poussière, parce qu'il y en a toujours. Donc il faut essayer de trouver un tout petit nuage de poussière qui vient d'apparaître et qui serait en train de cacher le petit point au centre parmi le gros pâté là qu'il y a tout autour. C'est pas facile. Comment qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle des techniques de haute résolution angulaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques au-delà de la définition classique qu'un télescope peut avoir pour aller scruter la surface de l'étoile. Alors ça, on peut le faire de plusieurs façons. Donc ici, voilà, c'est ce qu'il y avait dans ma demande de temps, alors de manière un peu plus détaillée, mais, et en anglais. Mais voilà. Donc ici, vous avez une photo prise, que j'ai prise en 2015 de l'observatoire du Mont Paranal au Chili avec le fameux très grand télescope, le VLT. Et donc, j'ai demandé à utiliser l'instrument Sphère du VLT, qui a été un instrument qui est pas mal français. Il a été développé à Lyon, à Grenoble, à Meudon, à Châtillon, à côté de Paris, aussi à Nice, à Marseille. Il y a aussi d'autres pays qui ont contribué, mais la France a énormément contribué. Mon but, c'était d'avoir une image de la surface de l'étoile et de l'environnement autour, en polarisation, de voir la poussière. C'est un instrument qui utilise la technique d'optique adaptative. En gros, on corrige les défauts de l'atmosphère, je vais en parler un peu après. Et une façon de bien comprendre ce qu'on fait, c'est exactement comme si le télescope de 8 mètres, qui est là, hein, c'est le numéro 3 qu'on a utilisé sur Sphère, Sphère est monté là-dessus, c'est comme si on prenait tout ça et qu'on le mettait dans l'espace, quoi. Tellement on arrive à s'affranchir des défauts de l'atmosphère. Sauf qu'on n'a pas besoin de fusée, hein, on reste sur Terre et on corrige l'atmosphère. J'ai aussi utilisé l'instrument Gravity du VLTI, donc le I c'est pour interférométrie, cette fois-ci dans le but de déterminer précisément la taille de l'étoile et voir s'il y avait des bulles de convection à la surface. Gravity, lui, il recombine la lumière soit des 4 grands télescopes, soit des 4 petits. Alors petits, les grands ils font 8 mètres de diamètre et les petits ils font 2 mètres de diamètre. Et c'est toujours là que j'ai peur que des astronomes amateurs me lancent des tomates pourries parce qu'un petit qui fait 2 mètres de diamètre, c'est pas sympa. Et alors Gravity, lui, il est sous la plateforme, là. Il est dans un sous-sol, dans le labo de recombinaison des 4 télescopes.
Et ensuite, j'ai aussi utilisé l'instrument Matisse sur VLTI pour ben, voir la composition de la poussière, s'il y en avait. Pareil, recombiner les quatre petits télescopes. Donc voilà, belle optimisation où j'utilise plusieurs instruments et pas juste un seul. Alors, juste, j'ai parlé d'infrarouge, de lumière visible, etc. pour fixer les idées. Donc tout ça, c'est de la lumière. C'est toute la lumière. Nous, la partie qu'on voit, c'est du violet au rouge. C'est ici, au centre. Voilà. Et la différence entre du violet ou du rouge ou du vert, c'est une différence de couleur, vous le savez. Mais c'est aussi et surtout une différence de longueur d'onde. Et bien avec le reste, c'est pareil. Au-delà du rouge, on a l'infrarouge, avec des longueurs d'onde plus grandes. Ensuite, on continue, on a les micro-ondes, puis les longueurs d'onde radio, avec des longueurs d'onde encore plus grandes. Et vous avez ici une illustration de la longueur d'onde qui devient de plus en plus grande. Et au-delà du violet, ben, vous avez l'ultraviolet, qui permet de bronzer, les rayons X, qui permettent de passer des radios, c'est très mal dénommé en français, en anglais c'est X-ray, c'est très bien. Quand on passe une radio, on n'utilise pas des ondes radio, on utilise des rayons X à courte longueur d'onde, et au-delà, les rayons gamma, dont on espère qu'on ne va pas bientôt s'en prendre sur la figure. Voici les différents types de lumière. Et donc moi, j'ai regardé Bétaigeuse en visible, avec sphère, et en infrarouge, avec Matisse et Gravity. Mais il faut bien comprendre qu'actuellement, en astrophysique, on étudie le ciel dans toutes les couleurs de la lumière, toutes les couleurs qu'on ne peut pas voir. Pour ceux qui seraient intéressés, le James Webb, le tout nouveau télescope, là, il est ben, par là aussi, hein, en infrarouge. Bien. Alors voilà, un télescope de 8 mètres de diamètre, ça ressemble à ça. Donc ici, ben, le télescope du VLT numéro 3, qui s'appelle Mélipal, ce qui signifie la croix du sud en langage mapuche, la langue locale des Amérindiens. Et sphère, il est là. Le gros, la grosse boîte noire, là, sur le côté, c'est sphère. Sur le côté du VLT. Vous avez un autre instrument qui est là-bas derrière, hein, qu'on ne voit pas, et un autre qui est derrière le mur principal. Le 8 mètres, il est là, le mur primaire. Le secondaire qui fait 2 mètres et quelques, il est là. Et pour vous donner une idée de la taille de tout ça, il y a quelqu'un ici en bas. Alors au fond, vous ne le verrez peut-être pas, mais devant, clairement, on voit qu'il y a une personne avec un casque ici qui nous donne l'échelle du machin. Donc c'est immense, hein, moi qui ai déjà été là-dedans, c'est vraiment très impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça bouge tout ça avec une douceur. On a l'impression que ça glisse, alors pourtant ça pèse des tonnes et c'est pointé vraiment avec une précision diabolique. Donc c'est un endroit fabuleux. Alors, un petit rappel bref sur l'optique adaptative, qu'est-ce que c'est? Le but, j'ai dit, c'est de compenser les déformations d'atmosphère. Donc vous avez de la lumière là, qui vient d'une étoile, qui a traversé l'atmosphère. Et ben, votre onde lumineuse, au lieu d'être parfaitement droite, ben, elle présente des ondulations. C'est un peu comme si vous regardez ben, à travers de l'eau, quoi, dans un verre, dans la mer, dans une piscine, ce que vous voulez. Les trucs au fond, ils apparaissent un peu déformés. Ou les mirages sur l'autoroute l'été, où vous voyez qu'au ras du sol, ben, on voit ça danse, quoi. Et ben, nous, on arrive à corriger ça grâce à l'optique adaptative, enfin nous, eux surtout. Et donc la lumière, elle arrive du télescope, elle arrive sur une lame séparatrice. Il y a une partie qui arrive là, sur un analyseur de front d'onde. Donc ça va analyser les déformations. Il y a un supercalculateur derrière qui arrive et qui va déformer un miroir. Donc c'est un petit miroir qui fait 10 à 20 cm de diamètre avec un millier de petits pistons derrière, piézoélectriques, qui vont changer la forme du miroir à la dizaine de nanomètres près pour ben, exactement corriger la surface de l'onde lumineuse. Et ça, 1000 fois par seconde. Et à la sortie, ben ça marche, vous avez l'onde qui a été corrigée, vous avez les traits qui sont bien droits. Et là, vous faites votre image de l'étoile ou de l'objet que vous êtes en train d'observer. Donc je répète, un miroir de ben 10 à 20 cm de diamètre, 1000 pistons derrière, qui vont 1000 fois par seconde changer la forme du miroir à la dizaine de nanomètres près. C'est incroyable, mais ça marche. Et ben souvent on dit, mais tout ce qu'on fait là, l'astrophysique, ça sert à rien, on devrait dépenser l'argent ailleurs, on crame de l'argent public pour rien. Et en fait, ben ce genre de technologie, ça a été transféré vers le biomédical pour faire de l'imagerie de la rétine et diagnostiquer des maladies de l'œil. Ça a été fait à Paris, dans mon laboratoire, le Lesia, en collaboration avec l'hôpital des 15-20. On a aussi un autre instrument, hein, du VLT, qui s'appelle MUSE,
dont la technologie de tomographie, ça a été utilisé pour faire de la tomographie du corps humain pour détecter des cellules cancéreuses. Et comme je dis souvent, tout ça, voilà, je vous le dis, mais il faut bien avoir conscience que les patients qui vont être traités ou diagnostiqués avec ce genre de technique, lorsqu'ils vont aller à l'hôpital faire leur examen, jamais on va leur dire, et c'est écrit nulle part, et vous savez, la technologie que vous utilisez là, c'est grâce aux observations astronomiques derrière un télescope. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on ne voit jamais les applications de la recherche fondamentale, parce que quand on les utilise, il n'y a jamais une étiquette dessus qui nous dit, voyez, ça vient de tel projet de recherche. Et pourtant, les applications de la recherche, elles sont partout. Hein. Là, le laser, c'est de la mécanique quantique. Hein. Donc tout ça, à une époque, on pense que ça ne sert à rien, et pourtant, ça a plein d'utilité. Et donc, on revient sur Bételgeuse. Donc là, on a notre courbe de lumière, vous la connaissez. Et là, les traits bleus verticaux, eh bien, ce sont les observations que j'ai pu obtenir. La toute première, celle du 27 décembre, elle est là. C'est le premier trait ici. Et donc, on voit bien que ce n'est pas la toute première, parce qu'il y en a une déjà là. Et ça, c'est le gros coup de chance dans cette série d'observations. C'est que l'année d'avant, j'avais obtenu exactement les mêmes observations avec Sphere et avec Gravity, ici, lors du nouvel an 2019. En fait, j'ai passé mon nouvel an 2019 à Paranal, au Chili, et j'y ai fait mes observations de Bételgeuse. Et honnêtement, pour moi, il n'y avait pas de meilleure façon de passer le nouvel an hein, que d'être là-bas et d'observer Bételgeuse. Et alors en plus, le coup de chance extraordinaire, c'est que bon, c'est les eaux qui décident quand c'est qu'on peut faire les observations. Et là, ils nous ont mis, sans le savoir, exactement au minimum de luminosité et le précédent. Ce qui fait que bon, on a pu comparer ce minimum de luminosité avec celui d'avant qui, lui, était normal. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Donc là, il y a la première demande de temps que j'ai faite. Puis là, je me suis rendu compte que je me suis trompé, hein, qu'il se passait quelque chose. Et tout de suite, je me suis dit, ah, si elle est encore en train de descendre et qu'il se passe quelque chose, à un moment, ça va s'arrêter. Elle ne va pas descendre indéfiniment vers le bas. Soit ça va faire un plateau, soit ça va remonter. Et donc, je me suis dit, je veux faire des observations exactement au minimum et dans la remontée. Et là, j'ai fait une demande de temps un peu spéciale, encore. Cette fois, encore le directeur Discretion Anytime, mais avec Target of Opportunity. Target d'opportunité, source, pardon, d'opportunité, cible d'opportunité, ce qui signifie qu'au lieu que vous envoyez et tout de suite ils vont observer, ils attendent que vous leur disiez quand c'est que l'observation doit avoir lieu. Donc, vous déclenchez l'observation. Et donc, j'ai fait mon truc qui a été accepté. Et là, tous les jours, tous les matins en me levant, j'allais voir la courbe pour voir si ça descendait toujours, quoi. Puis à un moment, j'ai vu que là, alors ça remontait pas, mais ça descendait moins vite. Je me suis dit, ah, on arrive peut-être dans le creux. J'ai attendu 2-3 jours pour être sûr et la tendance se confirmait. Donc, hop, j'ai déclenché. Et effectivement, j'ai réussi à choper exactement le minimum. Et puis, elle est remontée. Et je voulais avoir la remontée, mais je ne voulais pas être trop loin, trop près du minimum. Je voulais être suffisamment loin. Mais il ne faut pas être trop loin. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, vous voyez, quand il y a des trous, c'est que là, elle est trop proche du soleil. Donc, elle est visible en plein jour. On ne peut pas l'observer. Donc, il fallait être suffisamment loin pour être loin du minimum, mais pas trop pour ne pas se retrouver où on va l'observer quand elle est trop proche du soleil et ce serait refusé. Donc, en gros, début mars, j'ai déclenché. Début mars 2020. Voilà. Et donc, alors ils n'ont pas observé tout de suite. Je commençais à m'inquiéter. Finalement, ils l'ont observé. Et 3 jours après, ils ont fermé l'observatoire à cause de la pandémie. Donc, ça s'est joué à 3 jours près. Nous, on était déjà confinés depuis longtemps, hein, mais y compris en Belgique. Mais quand même, on a vraiment eu chaud, quoi. Mais voilà, on a eu nos 3 observations, donc bien avant la perte d'éclat, dans la descente, dans le creux et dans la remontée. Bon, on va aller voir ce que ça a donné. Donc ça, c'est les 2 premières. C'est celles qui sont sorties, alors pas le 4, hein, c'est le 14 février 2020. Donc il y a celle d'avant, avant qui est la perte d'éclat, et dans la descente. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, tout de suite, elle est moins lumineuse en bas, quoi, et c'est pas uniforme, donc il se passe quelque chose. Et donc on a fait ce qu'on appelle une photorelease, donc une sortie d'image avec les eaux, l'Observatoire européen austral. On savait que l'article scientifique mettrait du temps à sortir, mais l'observatoire voulait quand même sortir une image, parce qu'il y avait le buzz, comme on dit maintenant, qui était là, quoi. Il y avait la tension de savoir ce qui se passait. Et donc, le hasard a voulu que ça sorte le 14 février 2020. Et je m'en souviens, à la chargée de communication des eaux, je lui ai dit dans un mail, c'est rigolo, maintenant tout le monde va savoir que c'est ma Valentine secrète. Et dans un des tweets, l'Observatoire européen austral a dit, Miguel Montargès nous a révélé que c'était sa Valentine secrète. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça.
Et donc ça, c'est sorti, ça fait le tour du monde. Là, voilà, il y a eu 70 000 vues après 2 semaines sur le site de l'Observatoire européen austral. Donc ça, c'était le record pour l'année en question. Et ils estimaient qu'au bout de plusieurs mois, la portée avait été de 2,3 milliards. J'étais fier parce que c'était encore plus que les gens touchés par le Covid. Bon, maintenant, c'est peut-être plus vrai. Mais bon, voilà, ça avait fait du bruit. Et ouais, effectivement, voilà, hein, ça avait fait la une du New York Times. Ils avaient fait un truc sympa où vous pouviez glisser là et vous aviez le avant-après. Ça se fait beaucoup maintenant. Il y a eu Le Monde, il y a eu The Independent au Royaume-Uni. Ça, c'était, ben, ça c'est CNN. Là, il y a eu France Info. Qui en plus a osé dire que c'était l'étoile la plus brillante du système solaire. Alors on a dit non, elle n'est pas dans le système solaire. Et là, c'est de Standard, mais ça, je l'ai mis, on s'en fiche, c'est juste parce que j'habitais en Belgique à l'époque et donc j'avais mis un truc belge. Mais voilà, ça avait fait le tour du monde. Et donc voilà, là, vous avez la série de 4 images. Donc vous avez avant la paire d'éclats, la descente, le creux et la remontée. Donc on voit qu'il se passe quelque chose hein, dans la partie sud. Alors, mais là, vous pouvez me dire, mais ça paraît pas beaucoup moins lumineux là, hein, le creux de lumière. C'est pas ce petit trou qui va justifier qu'il se creuse. Vous avez raison. C'est que là, en fait, chaque image, elle est ajustée au maximum de contraste. Elle est à son minimum maximum à chaque fois. Il n'y a pas d'échelle absolue. C'est une échelle relative sur chaque image. Si on prend une échelle absolue sur la série d'images, bon, on voit bien qu'en janvier, là, il y a plus personne quand même. Et on comprend bien pourquoi j'ai fait ça, parce que sinon, on voit pas les détails. Donc on voit vraiment que là, c'était moins lumineux. Et dès le mois de mars, elle était déjà beaucoup plus lumineuse. Donc voilà la perte d'éclat. Donc ça, c'est fin des observations, mars 2020. L'article, je l'ai envoyé à la revue qu'en octobre, je crois, septembre ou octobre 2020. Donc je ne me suis pas tourné les pouces à regarder les images pendant 6 mois. Hein, on a bossé. Et je vais vous parler de ça quand même. Donc il y a même d'autres articles qui sont sortis hein, avant le mien, plusieurs. Il y en avait à peu près 60% qui disaient, donc 6 sur 10, hein, qu'il y avait eu un refroidissement de la surface de l'étoile et 40% qui disaient ben voilà, il y a eu un nuage de poussière devant l'étoile. Donc ils se contredisaient quand même. Hein. Et il faut voir que c'était des observations différentes à chaque fois, dans des couleurs, des longueurs d'onde différentes et avec des techniques différentes. Il y avait de la spectrométrie où on disperse la lumière pour connaître la composition de la lumière, la polarimétrie, on regarde la polarisation, l'imagerie, on regarde en détail, etc. Et chacun avait des conclusions différentes selon la technique et la couleur utilisée. Il n'y avait jamais deux fois la même technique, donc on ne pouvait pas vraiment conclure. Bon, nous, on débarque là-dedans, et je me suis dit, on va explorer 4 scénarios. Est-ce que, c'est quelque chose que les gens n'ont pas pensé à ça, mais est-ce que l'étoile a pu se contracter, hein, une sorte de pulsation? Est-ce qu'il y a eu un refroidissement local ou total de la surface de l'étoile? Ou est-ce qu'il y a eu un nuage de poussière? Mais 2 possibilités. Est-ce que c'est un nuage qu'elle a éjecté, qui vient de se former, ou est-ce que c'est un truc qui passe devant, quoi? Donc, il faut regarder. Alors déjà, le coup du transit, facile. Il suffit de regarder et de se dire, le machin qu'on voit, c'est toujours en bas à droite. Donc, si c'était un nuage qui passait devant, à un moment, il devrait être plutôt sur la gauche, traverser. Même s'il ne couvre pas tout le disque, on devrait le voir se déplacer et traverser devant le disque. Là, c'est toujours dans le même coin. Donc, ce n'est pas un truc qui est en transit. OK. La taille de l'étoile. Eh bien, on a les données Gravity qui mesurent avec une précision redoutable la taille de l'étoile. Donc, voici Gravity, qui s'appelait comme ça bien avant la sortie du film, hein, je tiens à le préciser. Donc là, c'était lors de son intégration en Europe, en Allemagne. Là, ensuite, il y a un gros couvercle par-dessus et c'est tout moche. J'aime bien, c'est rigolo, on voit tout ce qu'il y a dedans, les câbles et tout, c'est génial. Et ça, ensuite, ça a été envoyé au Chili. Donc lui, il recombine la lumière de 4 télescopes. Je ne vais pas vous montrer, on n'a pas une image de l'étoile. Ce qu'on a, c'est des courbes, ce qu'on appelle des visibilités. C'est totalement ennuyeux et incompréhensible. On va juste s'intéresser à la conclusion. Ben, en fait, elle avait la même taille avant, donc l'année d'avant, en juin 2019, et pendant, en février 2020. Donc, une variation de taille de l'étoile ne pouvait pas expliquer la perte d'éclat. Donc, il nous reste un refroidissement de surface ou un nuage de poussière qui se serait récemment formé. Et donc, j'ai testé ces différentes hypothèses avec des modèles, des simulations. Tout ça, c'est du code informatique. Donc, j'ai construit en gros une étoile avec un disque photosphérique et une tache froide à sa surface. Et j'ai fait 8000 modèles et j'ai simulé une observation de cette étoile depuis la Terre. Et pareil avec le nuage de poussière, un peu plus là c'est un peu plus complexe. Il faut prendre une étoile, mettre un nuage de poussière devant et voir ce que ça donnerait d'avoir ce nuage de poussière depuis la Terre. C'est aussi des simulations, là, 6000, mais chacune dure 1 heure. Hein. Donc c'est à tourner
Donc c'est quand même assez intense. Et là, je donne le nombre final. Donc j'en ai fait 8000 et 6000. Ça, c'est le jeu donné final. Mais tous ceux qui ont fait de l'informatique savent que ça ne marche jamais du premier coup, parce qu'on fait des erreurs dans les programmes ou parce qu'on veut tester différents paramètres. Donc en fait, c'est des dizaines, peut-être même une centaine de milliers de simulations que j'ai fait tourner à chaque fois. Là, les 6000, pour les tourner, ça prend plus d'un week-end. Hein. Donc il faut les lancer et on attend le résultat à la fin qu'il faut ensuite dépouiller, analyser. Et tout ça, ça ne tourne pas là-dessus. Alors en fait, si, celle avec le point froid, elle tourne très bien là-dessus. Celle avec la simulation de poussière, c'est plus complexe. Pour faire les tests, ça se passe là-dessus. Hein, pour de vrai, vraiment, c'est mon ordinateur professionnel. Il y a les codes pour les simulations dessus. Hein. Mais par contre, quand on en fait tourner beaucoup, on utilise ce qu'on appelle une grappe de calcul. Et ici, vous avez celle de l'Observatoire de Paris, qui est située sur le campus de Meudon, à 50 mètres de mon bureau. Donc on ne va pas sur place lancer les simulations, on s'y connecte à distance par le réseau. Donc ça, c'est le conteneur extérieur. Et dedans, vous avez des racks et des racks avec des disques durs et des ordinateurs, ce qu'on appelle des processeurs, des CPU, etc., reliés au réseau par tous ces câbles qu'on voit là. Donc c'est ça qu'on utilise, c'est pour montrer que l'astrophysique, ce n'est pas juste être derrière un télescope, il y a aussi tout ce travail-là maintenant. Et donc voilà ce qu'il en ressort. Donc ici, vous avez les observations et ici, vous avez le point froid, les images de simulation d'un point froid à la surface de l'étoile et ici, les images de simulation d'un nuage de poussière devant l'étoile. Et bien, dans les deux cas, ça marche pas trop mal quand même. Hein. On peut trouver des paramètres qui reproduisent quand même assez bien les observations. Donc, super content. Et là aussi, on a, alors là, c'est ce qu'on appelle des spectres, c'est en fait la couleur ici, en axe horizontal, vous avez la couleur avec le rouge à gauche et le violet en gros à droite, hein. Sauf que là, on n'est que dans du rouge. Et les points noirs ici, c'est les mesures qu'on a faites de flux, et les courbes ensuite, c'est les simulations. Donc en bleu, vous avez la courbe avec un point froid, et en violet, la courbe qui correspondrait à de la poussière. Je ne vous demande pas de tout détailler, mais c'est pour vous montrer que derrière ce qu'on fait, il n'y a pas juste des images, quoi. C'est vraiment de l'analyse de données, de la compréhension, trouver le meilleur modèle, etc. Et alors, voilà, quel type de modèle j'ai utilisé? Pour la baisse de température, c'était un point froid qui était 300 à 500 degrés plus froid que le reste de l'étoile. Et le nuage de poussière, en gros, c'était des silicates, hein, ce qu'on peut trouver sur la plage. Encore qu'à Dijon. Ah, si, il y a Dijon plage, j'ai vu sur Google Maps. Il y a la taille des grains qui est plus petite que le micron, donc plus fine que l'épaisseur de vos cheveux. La masse totale, c'est un 10 millionième de fois la masse du Soleil. Ça paraît peu, mais en fait, c'est ce que d'habitude, elle perd à peu près en un an dans son fameux vent. Donc là, d'un coup, elle a perdu ce qu'elle met d'habitude un an à perdre. Donc c'est assez important. Et donc, quelle a été la conclusion de l'article qu'on a publié dans Nature l'an dernier, donc les quatre images, c'est qu'en fait, il y a eu les deux phénomènes simultanément. Donc, elle a éjecté, en gros, un nuage de gaz plusieurs mois avant, puis l'endroit de l'éjection, ça s'est refroidi, la fameuse convection, là. Et donc, le fait que ça se refroidit, le nuage de gaz qui était au-dessus, il voyait une zone de l'étoile plus froide. Et le gaz a formé de la poussière. Et ce qui est intéressant, c'est que le gaz est transparent, mais la poussière, c'est opaque. Et la poussière, combinée au refroidissement, ça nous a caché l'étoile et ça l'a rendue moins lumineuse. Et après, le nuage s'est éloigné, hein, il n'était plus devant l'étoile, et donc elle est redevenue lumineuse comme avant. Voilà la conclusion de cet article. Alors, il y a quand même, l'histoire ne finit pas là, c'est que pour être vraiment sûr, j'aurais bien aimé faire des observations avec ce qu'on appelle ALMA, des observations radio. ALMA, c'est un réseau de 60 antennes qui sont à 5000 mètres d'altitude au Chili. Chacune fait 12 mètres de diamètre et on peut les déplacer. Là, elles sont plutôt en configuration groupée, mais on peut les séparer jusqu'à 16 km les unes des autres. Donc c'est un immense plateau, le plateau de Chajmantur. Alors encore une fois, très important, il faut donner la taille des objets que l'on voit, parce que là, ça ne parle pas. Vous pensez tous aux paraboles que vous avez chez vous pour regarder les satellites, mais non, ce n'est pas ça. Ici, vous avez un camion transporteur là, qui est en train de poser ou prendre une des antennes. C'est un camion normal. Non, non, pas du tout. Ici, vous avez un 4x4, qui lui-même n'est pas un 4x4 normal, c'est plutôt un 4x4 type américain, donc le bon gros truc là. Ils ont les mêmes au Chili là, pour aller dans les mines. Donc là, vous avez un gros 4x4, le transporteur qui est encore plus gros et l'antenne encore plus gros. Donc tout ça, c'est vraiment immense. Et avec ça, on aurait pu vraiment voir le gaz et voir si le gaz venait vers nous et donc vraiment être certain que c'était un nuage de gaz que l'étoile avait éjecté. Malheureusement, pour ça, il faut avoir les antennes séparées de 16 km.
ce qui ne se produit qu'au mois de juin, c'est-à-dire quand c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, que l'atmosphère est stable. Or, juin 2020, voilà. Donc l'observatoire avait fermé au mois de mars hein, et il n'a rouvert qu'au mois d'octobre. Donc on n'a pas pu faire ces observations. Mais c'était évidemment le bon choix à prendre. Il n'y a aucune observation qui justifie de mettre en danger la vie des personnes qui travaillent dans les observatoires. Donc j'étais déçu, mais c'était vraiment la bonne décision à prendre. Et là maintenant, je vais vous parler de résultats récents qui sont sortis cette année. Donc celui-ci sur la perte d'éclat par un étudiant en thèse qui travaille à Tokyo, au Japon, qui est en troisième année de thèse et qui a fait un truc extraordinaire, je trouve. C'est que lui et son équipe, ils ont utilisé un satellite météorologique pour suivre la luminosité de Bétaigeuse pendant, je crois, 10 ans quasiment. Donc, et alors en plus dans plusieurs couleurs, hein, du visible jusqu'à l'infrarouge. Donc voici le genre d'image que ce satellite y prend. Donc c'est un géostationnaire au-dessus du Japon, évidemment. Et tous les jours, il y a un moment où Bétaigeuse, elle passe dans le champ de vue. Donc là, elle est là. Si vous zoomez, vous avez ce petit point blanc là. Hop, c'est Bétaigeuse. Et voilà. Et il tourne en même temps que la Terre, elle passe toujours dans le champ de vue du satellite, mais même quand elle est proche du Soleil et tout, il y a moyen de s'en sortir. Et donc, ils ont un suivi temporel, mais tous les jours, de Bétaigeuse pendant 10 ans. Donc, mieux que ce qu'on peut faire sur le sol, sans les interruptions dues à la conjonction solaire. Donc, incroyable. Et donc voilà, sur plusieurs années, 16 filtres là, du visible à l'infrarouge moyen, extraordinaire. Et donc, ça permet d'avoir des informations sur la surface de l'étoile et sur la poussière qu'il y a devant l'étoile. Et leur conclusion, on voit clairement la perte d'éclat dans les courbes, c'est spectaculaire. Ils confirment le résultat. Donc, ils vont vraiment vers un refroidissement plus un nuage de poussière. Ça a été publié dans Nature Astronomy. Et c'était tellement chouette que quand il est venu en Europe, il m'a dit « Ah, j'aimerais bien présenter mes travaux à Meudon. » J'ai dit « Mais viens, avec grand plaisir, c'est génial. » Et on a discuté, on a l'idée d'observer d'autres étoiles. Enfin bon, c'est une nouvelle collaboration qui naît. Enfin, c'est vraiment chouette, je suis très content et c'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait. Il y a un autre résultat qui est sorti aussi en 2022. Alors, rien à voir avec la porte d'éclat, mais je le présente parce que j'aime beaucoup. Ces deux résultats, je n'ai pas participé. Hein. C'est totalement d'autres personnes, mais qui font un travail génial. Il y a un article qui est sorti qui s'appelle « L'évolution de couleurs de Bétaigeuse et Antares sur deux millénaires, obtenu à partir d'écrits historiques, une nouvelle contrainte sur leur masse et leur âge ». C'est génial. C'est des gens qui sont à la limite entre l'astrophysique et l'histoire des sciences. Ils ont compilé des observations historiques avant les télescopes hein, et avant qu'on quantifie. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour décrire l'éclat d'une étoile, on ne disait pas « elle est de magnitude machin » ou « tel flux ». On disait « oui, elle est aussi brillante que machin » ou alors on mettait un truc un peu poétique et on laissait les autres interpréter, puisque évidemment les gens, il y a 2000 ans, ceux qui faisaient l'astronomie, ils faisaient aussi de l'astrologie, donc c'est toujours un peu... Voilà. Et donc à chaque fois, ils ont compilé des articles, ou en tout cas des écrits, où il y a des étoiles de référence qui sont indiquées, etc. C'est passionnant. Et ça marche, quoi. C'est-à-dire que ben là, par exemple, il y a 2000 ans, à Rome et en Chine, deux personnes différentes, évidemment, ont indiqué indépendamment, c'est aussi évident, puisque... pas Internet hein, pour se corréler, il disait que Bétaigeuse, elle était comme Saturne ou carrément jaune. Alors tout ça, on pourrait se dire, oui, bon, ça peut être poétique, machin, truc, mais les mêmes personnes, dans les mêmes textes, indiquent qu'Antarès est rouge. Et elle est rouge, quoi. Alors elle aussi, elle est rouge maintenant, mais apparemment, à l'époque, elle était peut-être plutôt jaunâtre. Donc ça, ce serait une belle preuve que Antarès a toujours été, en tout cas dans les temps historiques, une super géante rouge. Mais elle, apparemment, c'était une géante jaune ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, il s'est passé quelque chose. Elle n'était pas rouge à l'époque. Et ça peut nous donner des indications sur son âge, sur son évolution, etc. Enfin, j'aime beaucoup ce résultat. Alors, là, c'était le passé. Maintenant, le présent, parce qu'évidemment, la perte d'éclat, elle était là hein, en 2020. Nous sommes en 2022. Et l'avenir. Donc là, ce que vous voyez, c'est la courbe de lumière, toujours les points, on a l'habitude. En bleu, mes observations. Et bon, en violet, vous avez le maximum prévu de 2020 et le minimum de 2021. Et la courbe oscillante verte, c'est moi qui l'ai tracée. Hein, juste pour essayer d'attraper ici ce minimum et le suivant. Avec une oscillation de 420 jours. Je ne me suis pas embêté à reproduire les amplitudes parce que alors là, j'aurais passé plus de temps qu'il n'était raisonnable. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'avant, là, ici, les premiers, ça ne capte pas trop mal ici. Là, le minimum correspond. On remonte, c'est bien. On redescend, parfait ici. On remonte.
Là, on a notre grand minimum, évidemment, mais on tombe pile dessus. Là, on s'attendait à remonter. Donc ici, c'était août 2021. On devait avoir le maximum. Août 2020, pardon. On devait avoir le maximum de 2020. Sauf que quand on a observé, ben non, elle était là. Donc elle était déjà redescendue. OK. Là, ça devait redescendre. Ah, ben non, c'est remonté. Mais non, il y a quand même bien eu le minimum prévu en mars, il me semble, 2021. Puis là, ça remonte. Là, on devait avoir un minimum ici. Ben non, elle était déjà redescendue. Là, ça remonte. Là, on a de nouveau le minimum de 2022 qui a bien eu lieu. Alors, la question que vous pouvez vous poser légitimement, c'est qu'est-ce qui arrive à cette étoile depuis cette perte d'éclat? La réponse, personne n'en sait rien. On est plusieurs à se poser des questions, essayer de comprendre. Là, ce qui est clair, c'est qu'apparemment, ce qui s'est passé ici, ça a affecté l'étoile en elle-même. Ce n'est pas juste qu'il y a eu un nuage de poussière devant, et puis on n'en parle plus, on reprend les activités comme avant. Clairement, la façon dont elle pulse, en quelque sorte, a changé à cause de ce qui s'est passé là. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de l'intérieur des étoiles, je ne peux pas vous en dire plus, mais même les gens qui bossent dessus ne savent pas l'expliquer. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on continue à l'observer pour essayer de comprendre et faire de la modélisation. Et alors, le futur lointain, c'est l'ELT. Donc ça, c'est le télescope de 40 mètres de diamètre qui est en construction actuellement au Chili, un télescope européen, évidemment. Ce sera le plus grand télescope du monde, évidemment, de toute l'histoire de l'humanité, plus grand que ceux que les Américains sont en train de construire, s'ils y arrivent. Toujours pareil, l'échelle, vous avez des voitures, là. Donc, voilà. Il va être sur la montagne en face de Paranal, en face du VLT. Donc, le VLT, c'était 8 mètres de diamètre. Là, c'est 40 mètres. Hein. Donc, le dôme, la coupole, ça va être une cathédrale. Hein. Et on fait des économies. Hein. Par exemple, la salle de contrôle, elle ne sera pas sur place. Elle sera au VLT. En fait, il y a déjà un emplacement prévu là-bas. Et donc, ça va être extraordinaire. Et avec ça, on pourra faire ce genre d'image. Ici, vous avez une des simulations que je vous ai présentées au départ. Et ici, c'est une simulation d'observation avec un des instruments de l'ELT qui s'appelle Mikado. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait bossé dessus dans la salle. Donc, ça lui fera sans doute plaisir. Et donc ici, voilà, on pourra voir les détails à la surface de l'étoile. Pas juste ce qu'on a vu, on a vu vaguement qu'il y avait une tache sombre. Là, on pourrait voir s'il y a plusieurs taches sombres, plusieurs taches brillantes. Et imaginez, si on a plusieurs observations, on pourra faire un film de la surface de Bételgeuse. Je n'irai pas jusqu'à dire que la demande de temps pour ce télescope est prête dans mon ordinateur, mais par contre, elle est bien prête là-dedans et j'ai hâte qu'il fonctionne. Donc, il sera d'ici 2030, il fonctionnera. Quoi. Même avec des retards avant 2030, il fonctionnera. Là, donc ils ont déjà fait les fondations hein, et ça commence un peu à monter. Je pense qu'ils sont en train de faire peut-être le rez-de-chaussée, je ne sais pas. Et les miroirs sont en cours de fabrication en Allemagne. Ils sont fondus en Allemagne et polis en France. Avant d'être envoyé là-bas. C'est un miroir segmenté. Là, il y a plusieurs petits miroirs hexagonaux. Voilà. Alors, la conclusion. Bon, Bételgeuse n'a pas explosé. C'est en 2022, nous le savons. Et nous savons que la grande perte d'éclat, ce n'était pas lié à la fin de sa vie. Mais clairement, Bételgeuse explosera un jour. Et ici, vous avez la constellation d'Orion, hein, les trois lignées, Rigel qui est là, et Bételgeuse qui a explosé en tant que supernova, vue depuis Paris. Elle sera aussi brillante que la pleine Lune. Donc, il faut imaginer toute la luminosité de la pleine Lune concentrée dans une seule étoile, hein, un seul point. Donc, ce sera très spectaculaire. Donc, voilà, de nuit, si ça arrive, ça sera comme ça. Si c'est de jour, donc l'été, on verra une étoile en plein jour. Enfin, une étoile autre que le Soleil. Et là, cette photo, elle montre exactement ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Si Bételgeuse ou une autre explose, il faut tout éteindre, même à Paris. Comme ça, quand on sortira, on pourra lire un bouquin à la lumière de la supernova. On pourra voir nos ombres projetées sur le sol par la supernova. Ce sera chouette. Donc, elle explosera un jour, mais probablement pas bientôt. Pourquoi ? La phase de géante bleue, là, la première ligne, ça dure 5 à 20 millions d'années, donc on sait qu'elle en est sortie. Apparemment, elle est dans cette phase, hein, normalement, ce qui dure voilà, 1 à 2 millions d'années. Maximum, ça dépend de la masse initiale de l'étoile, puis vous avez toutes les autres phases. Un truc marrant, c'est que les dernières, là, celles qui durent moins de 1000 ans, surtout là, celles qui durent quelques années, quelques mois, quelques jours, elles sont très drôles. Parce que la lumière, pour se propager dans l'étoile, elle va mettre un millier d'années, parce qu'elle ne va pas aller en ligne droite, et les photons sont absorbés, réémis, etc., etc. Donc la lumière au sein d'une étoile, ben là, par exemple, si j'ai éteint le soleil maintenant, comme ça, d'un claquement de doigts,
Il va falloir un ou quelques milliers d'années avant qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de lumière qui sorte. Et pourtant, il faut que 8 minutes hein, pour venir depuis le Soleil. Mais voilà, parce que ça ne va pas en ligne droite, parce que c'est absorbé, réémis, etc. Pareil avec Bételgeuse. Donc, ça met plusieurs milliers d'années à traverser l'étoile et ensuite 700 ans de la surface jusqu'à nous. Et bien, en fait, là, tout ça, c'est rigolo. Ces photons-là, qui sont émis par ces réactions nucléaires qui arrivent à la fin de vie de l'étoile, les photons, ils vont mettre déjà plusieurs milliers d'années pour traverser l'étoile. Sauf que, au bout de quelques années ou quelques mois, elle aura déjà explosé. Donc en fait, ils sont libérés qu'au moment de l'explosion avec tous les autres. Donc en fait, on les voit jamais, quoi. Ils sont noyés dans les autres. Donc en fait, ces dernières réactions, on ne peut pas savoir quand c'est qu'elles ont lieu et quand c'est qu'elles s'enchaînent, puisque la lumière qui provient de ces réactions reste prisonnière de l'étoile avant l'explosion. Donc, Bételgeuse, on pense qu'elle en est par là. Elle ne va pas exploser tout de suite, quoi. D'ici 100 000 ans, quelques centaines de milliers d'années. Et plutôt ça que quelques jours. Ça peut arriver demain, hein, franchement. Voilà. Et je serais très content de m'être trompé. Mais malheureusement, non, quoi. Et surtout, à cause de ça, de ces derniers photons qui sortiront jamais avant l'explosion, ça peut péter sans crier gare, quand même. Ça, c'est rigolo. Alors, la conclusion de la paire d'éclats, ben voilà, c'était un nuage de poussière qui était dirigé vers nous et une baisse locale de température. Ça, ben ça va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de déclenchement du vent stellaire dont j'ai parlé au début, comment la matière quitte l'étoile. Et ben bien sûr, je continue à observer Bételgeuse, mais pas seulement avec les télescopes au Chili. Ben ça, c'est une photo que j'ai prise de chez moi, Collio, le 3 octobre. Et ben voilà, elle est là, hein. On voit qu'elle brille bien, il y a Rigel qui est là. Et je voulais vous montrer cette photo pour vous dire que l'hiver sera extraordinaire si la météo est avec nous. Ici, vous avez Orion. Ici, vous avez la constellation du Taureau. Et ici, vous avez une intruse. Et normalement, les gens qui font l'observation, ils savent qui est l'intruse. C'est Mars. Donc, on va avoir un magnifique ciel avec la constellation d'Orion, celle du Taureau, qui sont les plus photogéniques, avec l'amas des Pléiades ici, l'amas des Iades, et Mars qui sera dans le coin. Donc surtout cet hiver, regardez le ciel, clairement c'est indispensable. Et pour conclure, je voulais vous dire que ce résultat, ben, évidemment j'ai dirigé l'équipe, hein, j'étais le principal auteur, c'est moi qui ai fait les observations, les simulations, mais il y avait toute une équipe derrière moi, avec ben, des jeunes et des moins jeunes, hein, voilà, et des gens qui étaient en Europe, d'autres aux États-Unis, etc. Et ben, c'était bien chouette de travailler avec tous ces gens-là, c'est aussi leur travail, ce résultat. Et en plus, bah, c'était au moment du premier confinement hein, qu'on a fait l'essentiel du boulot. Et s'il n'y avait pas eu tous ces gens formidables avec qui je travaille, avec qui j'avais des réunions régulières en visioconférence, ça aurait été beaucoup plus difficile de tenir. Donc j'ai eu pas mal de chance. Et pour conclure, je voulais juste vous montrer la vidéo du communiqué de presse qu'a sorti l'Observatoire européen austral lors de la sortie de l'article, qui est assez sympa. Donc voilà, qui a éteint les lumières sur Bételgeuse? Donc on zoome dans la constellation d'Orion pour voir Bételgeuse. Au début, ce qu'on voit, ce n'est pas la surface de l'étoile. C'est fait avec un télescope où ben, l'étoile, elle bave sur le détecteur parce qu'elle est trop brillante. On va zoomer. Là, voilà, on voit la surface de l'étoile et on voit l'enchaînement des quatre images qui montrent qu'en quelques semaines, elle a changé d'éclat. Et on se demande, ben, est-ce qu'elle était en train de mourir? Alors, ils ne m'ont pas consulté pour cette phrase en tant que supernova. Évidemment, voilà, en utilisant leur super télescope, le VLT, eh ben, on pense avoir résolu le mystère. Et effectivement, personne ne nous a contredit depuis, hein, ce qui est une surprise. Donc on voit la tache froide ici et le nuage de poussière. Là, c'est nous qui sommes en train de tourner autour de l'étoile. Et donc, c'est une vue d'artiste de ce qui a dû se passer. Et voilà, et plutôt que signaler la mort de l'étoile, ce qu'on a vu, on pense en tout cas, c'est la formation de fameuses poussières d'étoiles. Et voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Merci.